Fait que là, il faut juste figurer le haut puis le bas. J'imagine que... Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec les autres, ça va s'équilibrer. Ouais. Puis là, il faut beaucoup serrer avant parce que c'est long, là, avant que ça le fasse descendre. Ben, j'ai voulu faire un chantier de femmes pour les chapiteaux. Je pense que c'est quand j'ai parlé que j'allais m'occuper des chapiteaux, puis tout le monde me suggérait son chum pour venir aider, puis j'étais comme, je sais pas si j'ai le goût d'être comme directrice technique d'une gang de gars qui sont comme, ah, oui, je sais comment faire, puis qui m'écoutent pas. Fait que là, j'ai appelé toutes ces gentilles demoiselles pour faire ça avec moi, puis ça se passe vraiment bien. C'est cool, là. Mais il y a Guillaume, là, qui s'est comme incrusté, mais c'est correct, là. Mais il est fin, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est comme un genre de chantier féministe, là, c'est ça. Puis tu vois, Rémi fait de la vaisselle, c'est parfait, là. Cette année, on a décidé de faire le plus simple, fait qu'on est revenu à la base de c'est quoi la fête agricole. Puis dans le fond, c'est un marché du terroir qui met en valeur les artisans, les producteurs locaux. Ça, c'est vraiment comme le but premier, mais tu sais, de faire une fête de communauté, c'est sûr, là, de célébrer les récoltes, puis de... Avec la déco, là, tantôt, on se promenait, puis c'est ça, c'est vraiment un moment où c'est le temps de vider les jardins. Puis nous, bien, comme il n'y a pas de marché public régulier à la semaine, c'est comme notre marché qu'on a dans l'année. Il y en a un à Mont-Louis, mais ça fait un peu loin pour les gens de... Fait qu'il y a quand même à peu près 500 personnes par année qui passent à la fête des récoltes. C'est un rendez-vous assez simple, en fait, mais c'est l'occasion de bien manger en même temps. Aujourd'hui, on fait du pain pour la fête des récoltes à Cap-Ornard. Voilà, justement, l'équipe Cap-Ornard. Bah déjà, on va diviser. Oups, il dit combien là ? 1,25 kg. On est des vieux habitués de la boulangerie. Des clandestins. Des clandestins. Max avait la brillante idée originale de s'appeler les clandestins. Ouais, c'est hyper bien. Non, il y a une vraie fendeuse avec un manche plus long là-bas. C'est ça? C'est du bois de forêt. Elle est trop bien ta fendeuse. C'est pratique ça. Elle est classique.
plus attendre. Présentement, je suis en train de lire le livre « La ferme impossible » de Dominique Lamontagne, je pense que c'est ça. Oui. Puis lui, dans le fond, il revendique beaucoup le droit de d'être un producteur artisan, c'est-à-dire de faire des productions qui sont de la grosseur que tu veux. Tu sois pas nécessairement un producteur d'œufs, mais tu sois simplement une personne qui a une soixantaine, 70 poules, puis t'en vend un peu au marché du coin, tu sais. Puis ça, ben, quiconque qui a envie de faire une production artisane, ben, c'est pas possible. Parce que tu te retrouves à payer des prix de quota complètement ridicules, qui t'endettent à fond, alors que tout ce que t'as envie de faire, c'est de mettre en marché des produits sans grandes ambitions de produire pour tout le monde, mais simplement participer à l'autonomie locale, par exemple, de ton village, tu sais. Tu sais, je pense que les bases qui ont été mises, là, il y a comme des lois, des règles qui ont été faites, qui maintenant on se rend compte que c'est peut-être un non-sens avec ce vers quoi on veut s'en aller pour une agriculture plus locale et encourager les petites fermes. Tu dis à quelqu'un qui veut se lancer, bon ben là tu veux te lancer, là, ben faut que tu commences par produire minimum 60 000 de légumes. T'as pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ils font avec les quotas de poules. Tu sais, si t'as pas le choix d'atteindre une certaine rentabilité dès ta première année, ben quel jeune a envie de faire ça? Puis quel vieux? Qui a envie de se faire mettre des limites de profitabilité?
Ça, c'est sûr que c'est pas motivant. Surtout, surtout qu'on a comme ce savoir-faire-là, ben on l'a de moins en moins cultivé. T'sais, la Gaspésie, si on veut qu'elle se repeuple et qu'il y ait du monde qui vienne s'établir, ben un peu comme toutes les régions rurales, il faut permettre qu'il y ait des activités rurales. T'sais. C'est juste voir ici, comme sur la coop d'habitation, ce qui rassemble les gens, là, l'autonomie alimentaire, c'est quand même dans les premiers trucs, là, le paysage, la nature et tout, mais faire sa bouffe, c'est central. Ouais, c'est juste, vrai, hein? Ouais, mais hein? Puis juste nous, en faisant des paniers, quand les gens viennent chercher leurs légumes, ça fait comme un petit événement. C'est super plaisant, tout le monde se rend compte. Ouais, c'est, je crois aussi que ça passe vraiment par là. Ça a vraiment été une belle saison, qu'on finit avec plus d'énergie que les deux premières. Sûrement que j'attribue une partie de ça au fait que ça a été un automne incroyable, je pense. On a eu de la température, de la chaleur pour récolter. Quand t'es fatigué, là, une bonne journée chaude, ça fait du bien, puis tout paraît plus doux. Et, ouais, c'est une belle saison. Que je finis avec beaucoup comme de fierté de qu'est-ce qu'on a accompli, puis beaucoup d'envie d'améliorer encore, de découvrir d'autres choses, de... Ouais, beaucoup de passion. Ça se nourrit. Ouais, c'est bien correct. Lui, il est vraiment bon. Lui, on va tailler le 6 sous, puis lui, le dégoût. Le dégoût. Il est vraiment bon, lui. Ah ouais? C'est mon préféré à date. Moi, je pense que c'est mon préféré à date aussi. Ah ouais, mais il y a moins de punch, par exemple. Ouais, mais je te dis, moi, le punch, c'est pas ce que je... Ouais. Tu sais, il est comme... Il goûte les jus sans alcool, non? Cidre rosé. Ça te fait? Les pommes de qui? Ça, c'est le meilleur truc pour moi. Les pommes de Nick. C'est pas les pommes du facteur, ça? Non. Prune à blue. Il est-tu mort, son arbre, ou... Ah non, non. Il est encore là? Ah ouais. Il y en a trois? Deux? Deux gros pruniers bleus de Damas sont malades. Ils produisent en quantité. Et l'embouteillage. L'étape finale de la fabrication de notre boisson artisanale. Chaque tourée est un peu différent. Puis ben, c'est chouette, on a de 5 à 8%. Puis il y en a qui sont plus acides, d'autres moins, plus fruités. D'autres goûtent le champignon. D'autres goûtent le champignon. Moi, je le trouve pas dégueu. Ah non, mais moi non plus. Vraiment, champignon pour c'est vrai. Ça, hein. Je comprends. Mais j'aime bien les champignons, donc. Bah, ça dépend quand. On a notre produit non identifié ici. Hein? Ah oui! La tourie mystère de cette année. C'est du cidre de remiage? Il parle en maudit. Non, ça sent trop bon pour que ce soit du cidre de remiage. Non, c'est quoi? Ça sent la pêche? C'est du jus d'ananas. Mangue. Ah, aïe aïe. Ah là, il m'est venu une espèce d'odeur de décapant en peinture. C'est dur. C'est bon. Il n'y a pas de goût de pomme, mais il y a un arrière-goût de bonbon. De la décapant. Ah, c'est bon. Ouais. Rentre un autre sniff, puis pense décapant en peinture. Ouais, on sent que c'est fruité comme dilué en peinture, quand même. Je vais essayer de
Tu as voulu que je répète les opérations? Moi, je suis d'accord de répétition de l'opération. Mon père, il va mettre une balle dans la tête du cochon. Là, il va tomber comme... Il bouge pas tant. Il va écraser. Là, nous, on prend chacune une patte. On l'embarque sur le... sur les palettes. La tête qui dépasse les palettes. La tête on sait pas, on le sait pas. C'est le cochon qui va le décider. C'est sa dernière volonté. Oui. Je te laisse mon couteau aussi. Oui. Ce qui fait que quand ça va débouler, vu que toi et moi on va être proches, là, toi ouais, tu touilles, moi je pique, tu sais. Donc tu peux me filer oui, le couteau. Je te filerai, oui. Bon, ben, Nick, t'es dédié au poulie. Attends. On va le refaire. Prise 2. On va de l'autre côté. Là, on va tout changer de bord. Ça, il va être du bon bord. Un genre de bord. On y va par là? Ouais. C'est parti. Tout le monde va tenir là. Ok, on a refaire là. Revenons sur notre terre, là, et tout. Ouais. Si on pompe avec les potes, derrière, il va nous. Parce qu'on est bien assez dessus. Ambitieux, ça y va encore, ça y va encore. C'est bon le boudin, les gars, faut se forcer. Il a fait une job de cochon, celui-là. Ouais, il n'a pas été facile, là. Yann, comment t'as trouvé ça, la bataille? Quand même moins il y a un mouvement que je pensais. Ouais, moi aussi. Vu que ça se passe super vite, puis que le cochon crie pas à cause de la balle de fusil. Parce que le cochon qui crie, il paraît que c'est ça qui est pénible. Ouais, moi, c'est ce que je m'étais fait dire. Non, mais là, une fois que la balle est passée, il n'y a plus d'activité, mais là, tu veux... Là, on est au camp de la rivière. Ça fait bientôt 4 mois qu'on est installé. Puis l'hiver, bien que pas encore officiellement arrivé au Québec, on regarde dehors puis on s'entend que c'est ça la saison qui est ça. Puis c'est ça. Il y a de la neige dehors, fait frette, on chauffe. Puis on continue de demander l'arrêt des travaux de forage en Gaspésie. On continue d'avoir pas mal de support
de gens des environs puis d'un peu partout au Québec, là. Puis, c'est ça, là, on a un kit de panneaux solaires qui est là, une petite installation 240 watts. Puis, là, je me trouve présentement dans le ce qui va devenir un portique. Il y a une belle grosse structure qui est en construction en ce moment, où on va pouvoir garder notre bouffe sèche, se faire un garde-robe un peu allégé. Certaines utilisations qu'on fait présentement de la yourte qui va rendre, on pourrait dire, l'espace plus habitable, mais qu'on soit plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui passent par ici, puis on aménage nos espaces en conséquence. Il y a eu comme une espèce d'arrêt des travaux pendant 4 mois. On avait la preuve à travers des lectures de rapports que Junex, ça leur arrive de faire des travaux l'hiver. Peut-être pas nécessairement du forage comme qu'ils voulaient faire au mois d'août, mais toutes les fois qu'ils montent, ben, il y a quelqu'un ici qui regarde. T'sais, s'il y a des déplacements de machinerie, ben on le sait. Puis, ça reste intéressant. Puis d'un autre point de vue aussi, d'être ici tout l'hiver, je pense que ça amène une certaine image aux militantistes québécois que l'hiver, c'est quand même un moment où on est capable de continuer d'être mobilisé. On en reçoit des échos, là, des gens de la ville de Gaspé qui par rapport à la motivation qu'il y a au camp de rester l'hiver, ça crée son impression. Je suis pas motivé non plus par une idée de victoire. T'sais, c'est plus... C'est une idée. Je suis venu m'installer en Gaspésie. Pour moi, c'est un beau territoire. C'est un territoire qui est encore sain pour la plupart des espaces qu'on a. Puis, je trouvais ça un peu ridicule de juste accepter l'état de fait qu'il y a du monde qui sont en train de forer. Puis, il y a eu une mobilisation qui s'est faite. Pour moi, c'était quand même le geste le plus simple et cohérent avec ce que je pensais de venir m'installer ici. C'est pas mal ça que je fais. Là, j'essaie juste d'être cohérent avec ma manière de voir les choses. Puis, vivre simplement avec ça. Là, de pas. Je suis pas nécessairement. Je me vois pas comme étant une grosse force de mouvement. Là. Je mets mon petit grain de sel. Là. On s'en va au petit gibier. On va chasser la perdrix, la géliotte tupée, puis le lièvre d'Amérique, qui sont pas vraiment abondants dans le coin, ce qui fait que c'est plus une marche de santé qu'autre chose. Avec une ambition alimentaire, mais sans plus. En fait, c'est probablement le plus beau de la chasse, là, qui est juste l'orgueil est de côté. On est juste là pour le plaisir d'être là. Il n'y a pas de trophée en bout de ligne. On est là juste pour être là. Je me suis emmené en Gaspésie, puis j'avais un appétit de ça, je pense. Je m'étais mis à rêver d'une vie où je pourrais être plus connecté à la nature. Où est-ce que je pourrais apprendre à chasser, à pêcher, à jardiner, voir. Puis accessoirement, bien, apprendre à cuisiner, à faire mon propre pain, à tricoter, à faire des choses qui ont comme pas tant une fonction qu'un sens. Puis la chasse qui est plus nécessaire, ben ça, ça en est du sens. Le moment où je décide de fabriquer mon propre pain alors que ça me coûte probablement plus cher en temps que si j'avais acheté un pain bon marché, ben je m'éloigne de la fonction puis je suis juste dans le sens. Je suis en train d'occuper une vie qui est beaucoup plus remplie. J'ai pas envie d'avoir une vie qui est bon marché. J'ai envie d'avoir une vie qui est bonne à vivre, puis en piquant des petits bouts de sens comme ça, ben, on dirait qu'on réussit mieux le portrait.
cet été, j'étais dans la salle d'attente d'un CLSC, puis j'ai vu un monsieur avec sa petite fille. Elle avait peut-être comme 4 ans, puis il avait, je pense qu'il avait fini leur rendez-vous, puis le père, il dit à sa fille, il dit, viens-tu, on va aller rôder avec papa. On va aller voir le stand de chasse. J'ai dit, c'est beau, ce moment-là. On va aller rôder avec papa. Probablement qu'il s'en allait juste virer en pick-up à voir son stand de chasse au beau milieu de l'été. Il n'allait pas là avec une carabine ou quoi que ce soit. Mais juste voir s'il y avait du gibier qui venait. Il est en train de transmettre probablement une des choses les plus précieuses qu'il y a dans sa vie. Puis c'est là où ça fait partie de l'ADN de la Gaspésie, la chasse. C'est que peu importe combien tu as d'argent, tu as encore cet accès-là à un moment de vie incroyable. Ça se transmet de père en fils, de père en fille, de mère en fils. Tout le monde participe à ça. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça fait partie de ce qu'on est ici. Viens-t'en, on va aller rôder avec papa. Comment va la Gaspésie? Comment elle va? Il y a beaucoup de braise. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité de faire de quoi, mais elle est tellement grande que toutes ces braises-là sont loin les unes des autres. Il y a des petits foyers d'incendie à plein d'endroits, puis ça fait quasiment se questionner sur pourquoi ça prend pas. Mais c'est sûr que si je prends un feu puis que je le démantèle, bien, il va s'éteindre. Fait que peut-être qu'à la longue, on est peut-être en train d'allumer quelque chose. Le monde se rapproche. Il y a des noyaux qui se forment, que ce soit ici dans Baie, que ce soit en Haute-Gaspésie. C'est évident qu'il y a des noyaux forts qui dynamisent leur territoire, qui l'occupent autrement. On est peut-être comme dans une période où il est juste temps d'espérer. La même histoire. On prend, puis on s'en va. On l'a fait à Murdoch, on l'a fait avec les papetières, puis là, on l'a refait. J'étais un peu emmerdé par tout ça, un peu tanné. C'était un peu navrant d'avoir à répéter tant. En même temps, il y a du monde qui vient ici, qui s'organise, puis qui font en sorte d'être le changement qu'ils veulent voir. Ça m'encourage beaucoup. Puis ça fait qu'il y a un filet de résistance qui se tisse tout autour de la péninsule. Puis il va falloir en tenir compte quelque part à un moment donné, parce que c'est pas vrai que tout ça va passer puis qu'on va le regarder passer sans rien dire. À un moment donné, on va être assez de monde pour faire changer les affaires.